Sénat solidaire, c'est quand on a la tête dans le guidon, c'est une fenêtre qui nous permet de respirer et de dire, ça y est, je fais une véritable action. Je crois que c'est plus qu'ambitieux, c'est-à-dire de se dire que si on commence à faire comprendre dès l'école aux enfants que ceux qui sont différents, ben, ils font partie de la vie comme eux, les enfants peuvent le comprendre. Et demain, je vais leur dire, il y a 270 personnes qui ont passé une soirée, qui ont payé, mis de l'argent, juste pour vos enfants. Merci d'accueillir chaleureusement Laurent Savard. Oui, donc c'était pour vous demander l'autorisation de mettre son nom sur le dossier d'assurance. D'habitude, on ne fait pas cela, mais là, de par sa pathologie, l'assurance devrait couvrir. Oui, sa pathologie, de toute façon, son petit retard mental. C'est vrai que la médiatisation qu'ont les chefs de cuisine aujourd'hui, concrètement, elle ne sert à rien si elle ne sert pas à éclairer des causes comme celle-ci. Donc voilà, c'était l'occasion de justement montrer au reste du monde, de France, le combat de ces parents, de ces associations et de ces jeunes aussi qui sont porteurs de handicap. Personnes, comme je le dis dans le reportage, ils sont comme nous. En fait, au départ, ils sont comme nous. Simplement, ils ont peut-être un handicap, mais cet handicap, il faut l'aider à le combattre, à le dépasser. Le lot numéro 1, c'est une nuit à l'hôtel Espa, 5 étoiles du Castellet, avec moi. Non. D'année en année, le public augmente, les lieux s'agrandissent, on commence à se connaître. C'est très convivial et c'est très bien comme ça. Les enfants, car c'est à eux qu'il faut penser, en ont besoin. Voilà. Donc moi je suis ravi, je suis très fier d'être le parrain de cette association. Voilà. Cette toile est tout simplement offerte à Glantine. J'ai eu un très joli cadeau et je ne m'y attendais pas. Et finalement, je me rends compte que malgré les années qui passent, on reste hyper sensible et ça monte très vite. C'était une belle soirée. Beaucoup d'émotions, un partage de valeurs. C'était une très belle édition 2018 et rendez-vous en 2019.